Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Alors mon invité du jour est un acteur engagé qui pratique l'humour au moins aussi bien que Mozart joue du piano. Vous l'avez découvert pour certains à la télévision dans Les Bleus, d'autres ont fait sa connaissance au cinéma dans le film Vilaine. Mais ce qui est certain, c'est qu'il vous a fait mourir de rire dans Nos Chers Voisins. Et s'il est sur ce plateau ce matin, c'est pour nous présenter une fiction mystérieuse, une fiction haletante qui mêle à la fois intrigue policière et romance. Vous allez voir. Bonjour Gilles Alma. Salut, comment ça va bien? Bon, ça va pas mal. Ouais, les bouchons ce matin. Oh, vous m'en parlez pas, moi c'est la SNCF. Je crois qu'en 10 jours de grève, j'ai perdu 3 ans d'espérance de vie. Mais c'est pas sympathique ça, dis donc. C'est pas sympathique. Bon, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec vos dates de spectacle. Alors Gilles Alma, je rappelle pourquoi vous êtes sur ce plateau. La malédiction de province est le titre de la fiction que France 3 diffuse demain à 21h05. Vous y interprétez le rôle de Grégoire, c'est un officier de la police scientifique. Alors déjà, la première question que je voulais vous poser, à titre personnel, quand on parle de malédiction, on parle toujours de superstition. Est-ce que vous êtes quelqu'un de superstitieux? Non. Non, pas du tout. Je ne suis pas superstitieux, non. Je passe sous les échelles, ouais. Je regarde des chats noirs, je suis un fou. Vous êtes un fou? Ah ouais, je suis un déglingo, moi. Non, je mets le pain à l'envers à la maison. Non, il y a plein de trucs de fou que je fais. Et le fait de jouer dans cette fiction, ça ne vous a pas un petit peu changé le regard sur le monde un petit peu de la superstition? Après, je ne vais pas dévoiler le scénario et la fin de l'histoire, mais bon, on s'aperçoit que finalement, ça va en termes de malédiction, finalement, voilà. On n'était pas, sur des ovnis et tout ça, quand même. On n'est pas sur des ovnis, ouais. Exactement. Eh bien, on va en parler dans quelques instants. Je rappelle que nous sommes en direct sur Figaro Live, sur la page Facebook de TV Magazine et sur lefigaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions à Gilles Alma. Quel regard portez-vous sur sa carrière? Le sexuel ce matin sur le Figaro. Libre à nous de poser la question. Voilà. Vous pouvez tout envoyer, en tout cas. On fera le tri derrière. Est-ce qu'il vous manque dans Nos Chers Voisins? Est-ce que vous aimeriez le voir davantage dans des fictions télé, dans un autre rôle peut-être? N'hésitez pas, vous pouvez envoyer toutes vos questions. Il y répondra juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Salut Sarah. Salut Damien. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors Sarah, on va commencer comme toujours avec les audiences de la soirée. Quelle est la chaîne qui est arrivée en tête des audiences hier? Eh bien c'est TF1 grâce à la série avec Thomas Sisley, Balthazar. C'était le final de la série hier soir. Eh bien ce final a attiré près de 6 millions de fidèles, ce qui représente 29% du public. Un très joli score devant France 2 avec Le Grand Échiquier, divertissement présenté par Anne-Sophie Lapix, qui a intéressé 1,5 million de téléspectateurs et 8% de part d'audience. M6 est sur la troisième marche du podium avec Cauchemar en cuisine. C'était une rediffusion, il faut le préciser. 1,5 million de curieux également. Et la part de marché est un peu plus inférieure à celle de France 2, 7,3% du public. Et du côté de la TNT, c'est Cyril Hanouna qui domine C8 avec Baba Noël. C'était un prime spécial de Touche pas à mon poste. 1,1 million de Français rassemblés et 5% de part d'audience. C'est vrai que la différence entre la première chaîne TF1 et la deuxième est absolument incroyable, on se rend compte. Il y a un écart c'est absolument énorme. Incroyable. Et c'est vrai que sur TF1, alors on l'a vu récemment avec le bazar de la charité, la fiction française cartonne à la télévision, hein, sur France 3, on vous le souhaite d'ailleurs avec La Malédiction de Provins, mais c'est vrai que les téléfilms aussi sur France 3 réalisent des scores d'audience considérables. Ouais. Comment vous expliquez ça? On se rend compte que la fiction française est au-dessus de la fiction américaine en termes d'audience aujourd'hui. Je sais pas, les gens ont envie de voir des trucs de chez eux, des comédiens qu'ils connaissent. C'est peut-être la proximité aussi qu'ils recherchent un petit peu avec les fictions. Je pense que c'est ça. Et on se rend compte aussi d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ne se contentent plus de la télévision. Certains vont aussi maintenant sur les plateformes de vidéo à la demande, style Netflix, Amazon. Est-ce que vous avez des projets en ce sens aussi? Est-ce que vous lorgnez un petit peu sur ces univers? Non, j'ai pas encore de projet avec Netflix ou autre. Ils commencent à grappiller petit à petit. Donc effectivement, l'intérêt, c'est d'être dans les premiers pour se faire copain avec eux et puis essayer de travailler dans ce sens-là. Maintenant, il y a de beaux restes en télévision française quand même. TF1, France Télé, ils sont quand même très très forts. Mais ça vous inquiète l'émergence de ces plateformes-là ou au contraire ça vous rassure et vous vous dites que c'est un immense terrain de jeu pour un acteur? Non, c'est sûr que c'est du boulot parce que nous on est là pour travailler, peu importe la chaîne, peu importe la plateforme ou quoi que ce soit. Ce qui est intéressant, c'est le scénar. Et en plus, sur ces plateformes, bien souvent, ils pètent un peu ce qu'on a l'habitude de voir. Je pense notamment. L'écriture est nouvelle, c'est ce que vous voulez dire. L'écriture est nouvelle, ils tentent des trucs, ils sont un petit peu plus libres peut-être aussi. Donc ça, c'est génial pour un comédien de pouvoir taper dans des trucs qui ne se font pas habituellement, quoi. Allez, on va passer du monde de la comédie au journalisme, puisque cette fois-ci, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui a décidé de recadrer LCI. Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, les profs ne sont pas mal payés, tel était l'intitulé et le propos de la chronique de François-Xavier Pietri le 11 septembre dernier sur la matinale de Pascal de la Tour du Pin sur la chaîne Info du groupe TF1. Le journaliste assurait que ces fonctionnaires étaient plutôt avantagés par rapport à leurs collègues des pays de l'OCDE. Alors, faisant l'objet de plusieurs signalements, la séquence a été examinée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dans une décision rendue jeudi 19 décembre sur son site, le gendarme de l'audiovisuel invite la chaîne du groupe TF1 à veiller à l'honnêteté et à la rigueur de l'information qu'elle diffuse. Alors on se rend compte aujourd'hui que de nombreux téléspectateurs envoient des signalements au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Alors cette fois-ci, il s'agit d'un journaliste, mais parfois il s'agit d'un humoriste qui fait une mauvaise blague en plateau et qui est l'objet d'une polémique. Est-ce qu'aujourd'hui, ça devient compliqué la télévision en tant qu'humoriste? Tiens, je vous parle d'un humoriste puisque vous en êtes un. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui la télévision comme support? On se rend compte que d'une mauvaise blague, on peut se faire virer maintenant. Oui. Vous parlez de Tex, par exemple. Tex, je connais bien, c'est un super mec. Hein. Ouais. Il est génial et puis il ne va jamais mettre une main au cul. Il est tout sauf misogyne, effectivement. Il est tout sauf, je le connais très bien, Tex, c'est un super, je lui fais un gros bisou, mais voilà, tu vois, bon, c'est des leviers un peu, c'est dommageable, quoi. C'est dommageable, parce que en plus, bon, mais si, ça a toujours été. C'est une blague que tu fais entre copains et copines, elle passe, elle fait rire tout le monde. Elle passe et fait rire tout le monde, tu vois. Mais avec les réseaux sociaux, ça indigne tout le monde. D'ailleurs, vous pensez que c'est à cause des réseaux sociaux qu'on a ce genre d'indignation systématique dès lors qu'il y a une blague voilà, qui peut être sujet à polémique? Ouais, je pense que t'es dans ton canapé, ça devient facile de parce qu'un mec te plaît pas ou sa tronche te revient pas, donc hop, t'envoies et tu désingues. Donc voilà, ça prend des proportions un peu. Ouais, c'est dommage. Ouais. Vous hésitez par exemple, parce qu'on sait que vous êtes invité sur quelques plateaux télé de temps en temps. Est-ce que vous hésitez à faire des blagues en plateau ou est-ce que vous tournez la langue cette fois dans votre bouche? Ouais, j'ai une blague de pédophile misogyne justement, si ça vous intéresse. Ouais, mais alors ici vous pouvez, nous ne sommes pas soumis au Conseil supérieur. Je vais montrer ma bite. Bon, alors après, nous risquons d'avoir des problèmes avec la direction. Ça, c'est autre chose. Non, écoute, j'ai pas encore réfléchi à ça, mais c'est vrai que je me restreins pas spécialement. Bon, après, voilà, c'est toujours la même histoire, mais Tex l'était pas non plus. Je suis pas misogyne, je suis pas homophobe, je suis pas antisémite. Oui, mais on a tendance à croire maintenant qu'un humoriste qui va faire une blague va penser le contenu de sa blague. Alors c'est réalité, ça, voilà. C'est terrible. Ouais. Bon, allez, on va continuer avec autre chose. Allez, avec Hugo Clément, qui est engagé sur de nombreux terrains, et cette fois-ci, il a un nouvel engagement. Oui, après avoir sauvé Mike Horn dans l'Antarctique, le journaliste lance un appel à racheter un zoo dans le Morbihan. Objectif, en faire un centre de réhabilitation d'animaux sauvages pour ensuite les libérer. Les animaux actuellement détenus seront remis en liberté, dit-il, dans leur milieu naturel, après un programme de réadaptation ou envoyés dans des sanctuaires dans leur pays, lorsqu'une remise en liberté n'est pas envisageable. Alors, pour lancer ce projet, la somme de 600 000 euros doit être réunie avant le 31 mai 2020. Pour l'heure, la barre des 200 000 euros a été atteinte en moins de 24 heures. Il y a une vraie prise de conscience sur la cause animale. Il y a beaucoup d'artistes qui sont engagés. On pense notamment à Rémi Gaillard aussi, qui interpelle très régulièrement Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. On parle aussi, certains déplorent aussi la présence d'animaux dans les cirques. Est-ce que vous êtes aussi très engagé sur cette cause? Moi, je mange plus de viande. Ah oui, vous êtes devenu végétarien? Je mange des fruits, des légumes, je suce des branches, je suis devenu un panda. Tu vois vous auriez pu participer je suis à la Singer, alors. Ça fait un moment que, ça fait 4-5 ans que j'ai arrêté de manger de la viande. Après, il y a des raisons écologiques, il y a plein... Mais pourquoi, quel a été le déclic? Écoute, je sais pas, je parlais avec j'étais sur le tournage de Mimi Mati, j'avais fait un Joséphine, et il y avait une petite assistante qui était végétarienne, elle m'a expliqué pourquoi, comment, et puis j'ai entendu, et je me suis dit, c'est pas con, parce que l'OMS le dit, si tu manges tous les jours de la viande rouge, de la charcute, t'as plus de chances de te choper un cancer. Écologiquement parlant, pour faire un kilo de viande rouge, il faut 15 tonnes d'eau. En même temps, si vous mangez pas de viande, vous êtes aussi en carence. C'est ce qu'on va vous répéter. T'as l'impression que je suis en carence? Non, écoutez, ça va. Vous avez je vais me mettre à poil, mon popo, tu vas voir. Vous êtes maquillé, on va Non, mais je suis à 1m87, 87 kg, il n'y a pas trop de gras encore, 40 piges, franchement, la carence, ça va encore à peu près. On peut remplacer les protéines animales par les protéines végétales. Bien entendu. Et puis voilà, donc j'ai réfléchi à ça, j'ai commencé la viande rouge, et puis petit à petit, voilà. Et puis il y a des films dans l'élevage industriel qui est terrible. C'est une horreur. N'importe qui, vous y allez tous les deux.
Je pense que demain, vous arrêtez de bouffer des poulets, les poulets sont en train de crever, ouais. C'est une horreur. Régulièrement, effectivement, on trouve des vidéos comme ça de 1914 et qui sont plus compliquées. Donc, bravo Hugo. Effectivement, bravo. Je vais mettre un petit billet d'ailleurs, tu me donneras le lien, je vais mettre un petit billet. Je vous donnerai mon RIB également. Alors, on va poursuivre. On est au Figaro quand même. C'est ça, on va poursuivre avec la raison pour laquelle vous êtes sur ce plateau. Avant tout, la malédiction de Provins. On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. France 3 dégaine en première partie de soirée la malédiction de Provins. Donc, c'est une fiction dans laquelle vous endossez le rôle d'un agent de la police scientifique du prénom de Grégoire. Alors, votre personnage, il apparaît dès la 42e minute, très précisément du téléfilm. Pourquoi vous avez accepté ce rôle secondaire? Parce que c'est un rôle secondaire. Ah oui, c'est un rôle secondaire. Ça me permettait de faire quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. Et les gens n'ont pas l'habitude de me voir avec des lunettes. Je suis un mec de la scientifique. D'habitude, je suis un peu plus populaire, un peu plus rentre-dedans. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai accepté. Et puis Thierry Neuvik et Yann Caillon, quand même. On n'est pas sur des rigolos. C'est ça, exactement. Alors, c'est vrai que c'est le fil rouge un petit peu de ce téléfilm. C'est cette histoire entre ces deux enquêteurs qui sont interprétés par Thierry Neuvik et Yann Caillon. On comprend vite que les deux ont vécu une romance, une idylle par le passé. Comment la relation entre ces deux flics va-t-elle évoluer au cours de la fiction? Dites-nous un petit peu. Alors, ils étaient mariés. Ils ont eu un enfant ensemble. Donc, voilà, on était sur un vrai couple. Elle, ça fait peut-être une petite année qu'elle n'est plus avec elle. Elle a trouvé Bibi. Franchement bien, quand même. Bah, pas mal. Oh, tu vois, Thierry Neuvik, Gilles Alma, bim bam. Hein, tu vois, on se fait. Bon. Et puis voilà, et puis ils se retrouvent sur cette enquête et bon, voilà, et on sent que tout n'est pas fini entre eux et je dis pas la suite, mais me fait un peu niquer. Et oui, vous, au final, vous essayez de vous immiscer dans cette relation et ça devient assez compliqué. C'est-à-dire que moi, je suis avec elle et je me rends compte que voilà, c'est compliqué pour moi. Ça sent un petit peu le. Se tourne vers un autre homme. Ça sent un petit peu le roussi, quoi. Alors c'est vrai que ce qui fait la spécificité des fictions de France 3, c'est que vous allez tourner en région, dans des villes hors de Paris. Là, c'était à Provins. Génial. Quel souvenir vous gardez de cette ville? C'est top, Provins. Moi, j'en ai profité pour emmener mes enfants. J'ai deux petits garçons, et donc voilà, c'est une super ville. Faut y aller. C'est une ville médiévale, on a été tourné dans les souterrains, et c'est incroyable, c'est un gruyère. S'il y a la fin du monde, on en parlait tout à l'heure. Ouais, exactement, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure de Provins, c'est vachement bien. Non, mais c'est super, faut aller, si vous habitez dans le quartier, même au-delà, faut aller voir Provins, c'est sûr. Nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine, sur lefigaro.fr. Sarah, je crois que les premières réactions sont arrivées. Salue Elisabeth qui est avec nous, aussi Alain de Rio de Janeiro, voilà. Au Brésil. Et j'ai une question de Fabrice qui se demande si Gilles Alma est un pseudonyme. Oui, c'est un pseudonyme, ouais. Ouais, je le cache pas parce que c'est sur mon Wikipédia, donc comme d'accord. Ça, c'est réglé. Ah oui, donc voilà, ouais. Là, on connaît votre vrai nom après. Ouais. C'est mon Gibo. Et pourquoi Gilles Alma? Voilà, parce que je vais te dire mon vrai nom, ce qui est une catastrophe, marketingment parlant et en termes de communication. Je m'en suis aperçu très très vite quand j'allais voter. Mon vrai nom, c'est Bon Gibo, B-O-N-G-I-B-A-U-L-T. Bon Gibo, ça. Mais quand tu le vois écrit, quand j'allais voter, les gens disent Bon Gibolt, laisse tomber, je vais prendre Alma, j'étais dans la station de métro, Alma Marceau, je me suis dit, il y a Sophie Marceau, il y aura Gilles Alma. Heureusement que vous n'êtes pas descendu à Bourse, parce que ça aurait été encore plus compliqué. D'accord, ok, donc on a la réponse à cette question, très intéressante en tout cas. Autre fiction aussi dans laquelle vous allez jouer à la mi-janvier, vous endosserez pour France 2 le rôle de César Wagner dans la fiction du même nom. Donc là, c'est un capitaine de police fraîchement muté au SRPJ de Strasbourg. Et la particularité de ce personnage, c'est que c'est un hypochondriaque compulsif, aussi obsédé par la maladie que par son métier. Dit comme ça, ça prête un peu à sourire. Est-ce que ça va être une fiction un peu drôle, un polar assez drôle? C'est un polar, ça reste un polar, donc il y a une vraie enquête, super et tout. Mais ce mec a une hypochondrie carabinée, et ce qui fait que alors, ça lui met forcément des bâtons dans les roues, surtout quand on est allé à crime et qu'on peut éventuellement voir des cadavres, n'est-ce pas, un peu dégueu. Et il y a plein de leviers très intéressants aussi dans l'humour, dans la comédie. Parce que, notamment, je pense à une scène où il est chez son toubib et il dit « j'ai un truc au cœur, je vais crever, machin ». Et le docteur lui tend une carte en disant « je peux rien faire pour vous, faut aller voir vous avez quelque chose de grave, allez voir quelqu'un ». Et donc, je regarde la carte et là, je vois un psychologue. Je fais « bon, ok ». Voilà, tu vois, il y a des trucs très sympas comme ça. Et donc, il y a du polar et de la comédie dedans. Est-ce qu'il faut toujours qu'il y ait une dose d'humour pour que vous acceptiez un projet à la télévision? Pas du tout. Non? Pas du tout, du tout. Non, j'ai fait plein de projets où ça rigolait pas du tout. C'est toujours mon petit truc à moi, quoi. Voilà, comme il dit, j'aime ça. Alors, pour parler de César Wagner, c'est vrai qu'être hypochondriaque et flic en même temps, ça paraît assez paradoxal. Comment votre personnage va-t-il faire pour un petit peu conjuguer son métier à la fois et puis son obsession de l'autre? Il prend sur lui, le pauvre. Ouais. Il prend sur lui, c'est terrible. Voilà,
à la fois, ça l'aide aussi un petit peu, parce que comme il passe son temps sur les sites internet médicaux, voilà, je ne cite pas de nom, si on a le droit, on s'en fout. Ah, vous pouvez. Ouais, Doctissimo, les conneries comme ça, le mec, tu vois, et je pense qu'il passe la moitié de son temps là-dessus. Il connaît plein de trucs sur. Il pourrait être légiste, tu vois, sans avoir la formation, il pourrait être carrément être légiste. Donc, ça lui ouvre aussi un petit panel, ça lui ouvre des pistes aussi sur ses enquêtes. Donc son défaut est peut-être aussi parfois un avantage. Et vous, est-ce que vous êtes hypochondriaque dans la vie ? Eh ben, pas du tout. Pas du tout. C'est un rôle de composition. Oui, complètement. Non, non. Mais après, j'en connais certains, voilà, autour de moi. Oui. Vous pouvez citer des noms connus ? Alors, des noms connus, non, j'en ai pas. Ah, Michel Drucker, un grand. Je connais, je vais monter un duo, je finis mon one-man show jusqu'en mai, et je monte un duo avec un artiste qui s'appelle Benoît Joubert, que je produis, il finit son one-man. Et Benoît Joubert a un premier stade d'hypochondrie, c'est-à-dire qu'il se balade tout le temps avec une trousse de médicaments énormes, alors qu'il n'a jamais rien, au cas où. Ah, voilà. Et ça, c'est le premier stade de l'hypochondrie. Ouais. Oui, c'est peut-être même un stade avancé, hein, de se balader avec une trousse de médoc en permanence sur soi. C'est un peu compliqué. Et voilà. Ça retourne du côté de la page Facebook de Télémag. Alors, j'ai un fan, hein, Christopher, un super acteur, Gilles Alma. C'est un mec bien, ça. C'est pourquoi un fan. En Belgique. Et j'ai une question de Valérie qui se demande quels sont vos projets télévisés ? Ah oui, est-ce que vous allez tourner d'autres fictions au cours de l'année ? On va voir. Alors, si ça marche, si César Wagner marche, j'en fais 3 par an. D'accord, ça va devenir une série ? Oui, il y en a déjà un autre qui est en écriture. Okay. Un super scénar, là. J'ai lu le premier pitch, qui est top, qui est parfait pour un hypochondriaque, voilà, très très gore. Donc voilà, si ça marche, j'en fais 3 par an, ce qui prend un peu de temps. Vous n'avez pas encore tourné le deuxième numéro ? Non, on attend de voir. Ah, vous savez ce que c'est. Ouais, l'économie de la télé. Eh oui, c'est normal. On croise les doigts pour vous. Qu'il y ait des gens. En parlant de séries, justement, vous faisiez partie des personnages principaux dans la fiction Nos chers voisins sur TF1, qui était diffusée chaque jour avant l'arrivée de Demain nous appartient. Cette fiction à laquelle vous avez participé entre 2012 et 2017, c'est ça. Bravo. Est-ce qu'elle vous manque, en fait ? On sait que ça vous a fait un petit pincement au cœur, quand même. Le fait qu'elle s'arrête ? En fait, la dernière fois qu'on a tourné, c'était pour un prime. On avait tourné à La Plagne. C'était un prime ski, tu vois. C'était vraiment sympa. Et c'est la dernière fois qu'on a tourné ensemble, seulement on ne savait pas. Et donc, on a loupé, si tu veux, le dernier plan, le dernier truc, en se disant, bon, ben voilà, c'est la dernière. Et on a loupé ça, c'est un peu con. C'est dommage. Maintenant, ça ne m'a pas manqué parce que je fais énormément de choses. J'ai beaucoup de chance, je travaille énormément. Voilà, entre mon one man et tous les tournages que je fais. En termes de travail, ça m'a pas manqué. Mais les copains, on se revoit de temps en temps. Vous continuez à voir les acteurs de demain. Non, c'était une vraie troupe. C'était cool, Et vous pourriez revenir à l'avenir pour justement des primes événementielles, un petit peu comme fait Scène de ménage sur LP. Je crois que chez TF1, la question se pose même pas, parce que là, on a vraiment bouclé l'histoire. Mais il y a un journaliste qui me demandait si demain il vous appelle pour le Cinoche, faire le long, le scénar est bon, ça me ferait plaisir de retrouver les potes, bien sûr. Et vous aimeriez réinterpréter un rôle récurrent dans une série comme c'était le cas pour… un programme court humoristique ? Oui, par exemple. Je me pose la question des fois, parce que c'est vrai que c'est très dur à tourner, parce qu'on tourne, les gens ne se rendent pas compte, mais on devient des machines de guerre. Vous aviez quoi, 5000 heures de tournage à peu près sur Nos chers voisins ? Ce qui représente 50 longs métrages. Donc en 5 ans, faire 5 ans, ça fait 10 longs métrages par an, et en fait, on tournait que 4 mois. Vous faites que ça, en fait. On est des fous furieux, c'est-à-dire que pendant les 4 mois de tournage qu'on avait à l'année, on était des soldats de l'humour, des soldats de la comédie, c'est-à-dire qu'on était vraiment 10 pages par jour, bam, 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 ça enchaînait. Moi, je sais qu'à la fin de la première saison, on a fait un pot, j'ai vomi. Vous aviez vomi parce que vous aviez trop travaillé. Ah, j'étais fatigué. Oui, d'accord, ok, je comprends cette histoire de. Non, non, mais voilà, fallait relâcher la pression. Et je me souviens, la dernière journée, ça n'arrivait plus à parler, on était au bout du truc. À consommer avec modération. La comédie à consommer avec modération. Effectivement. Bien entendu. Mais sur cette histoire de Nos chers voisins, c'est vrai, est-ce que vous en gardez quand même un très bon souvenir de cette série ? Bien sûr, c'était très dur. C'est comme un match de rugby, on en chie sur le terrain, mais on passe un bon moment. Voilà, parce que j'ai fait du rugby, c'est pour ça que je peux faire le parallèle. Ça se voit. Merci. Et pourtant, je suis végétarien, tu vois. Et donc voilà. C'est une super histoire. Sarah, des questions ? Oui, j'ai une question de Marie-Laure qui se demande comment vous avez réagi lorsque l'enquête de Mediapart est parue sur Thierry Samitier. Qui était dans Nos chers voisins, à vos côtés. Plusieurs comédiennes ont dénoncé son comportement dans ce papier. Thierry, j'ai passé 5 ans avec lui dans la loge. Donc Thierry, je le connais par cœur. C'est un très très gentil mec. Vraiment très très gentil mec. Il est simplement un petit peu lourd avec les filles. Voilà, il est lourd. Ce qui est dommageable, hein.
Et il faut entendre ce que les filles ont dit, notamment sur sa pièce de théâtre. La pièce de théâtre, j'étais pas là. Donc. Mais voilà, moi, le seul truc que j'ai vu, c'est qu'il était lourd avec elle en a parlé, avec une costumière, une petite costumière, que j'ai retrouvée d'ailleurs sur César Wagner. Pardon. Vous avez témoigné dans l'enquête ? Non, ils m'ont pas demandé. Non, non. Oui, mais de toute façon, il y a pas, tu sais, ils n'ont pas porté plainte. Hein. Mm-hmm. Parce qu'on est entre deux, si tu veux. Ouais. C'est pas, il va pas sortir ça, son, tu vois, ça, ouais. Ça, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Mais c'est juste. Ça reste de l'ambiguïté, c'est ce que vous voulez dire. Oui, oui, oui. Et c'est condamnable. Ouais. C'est condamnable. Et à aucun moment vous, vous lui avez dit, vu que vous êtes amis avec, hein, Ah bah si, moi à l'époque, je lui disais, arrête tes conneries, t'es lourd. Enfin voilà, je lui parlais franchement. Et je pense qu'il y a des mecs qui en font beaucoup plus et qui sont tranquilles. Voilà, c'est juste que la connerie qu'il a fait, c'est d'aller chez Cyril Hanouna. Oui, vous pensez ? C'est vrai qu'il a témoigné sur le... Il aurait appelé les filles, une par une, en disant, écoute, je reconnais ma connerie, je suis désolé, voilà, je suis un gros lourd, je suis vraiment con. C'était réglé. C'était et là, il est allé effectivement sur le plateau de Cyril Hanouna. Et là, il a été chez Cyril Hanouna. Contre l'avis de son avocat, d'ailleurs. Contre l'avis de son avocat. Ouais. Moi, le jour même, je lui envoie un texto en disant, Titi, reste tranquille, appelle les filles, j'ai le texto. Appelle les filles, remets-toi en question et excuse-toi. Ouais. C'est tout. Et depuis, vous avez eu des nouvelles de lui ? Comment va-t-il ? Vous savez s'il s'est remis de tout ça ? Parce que c'est vrai qu'il a été quand même dans un tourbillon médiatique assez... Non, j'ai l'impression qu'il m'en veut un peu, je ne sais pas pourquoi. Je lui ai envoyé des textos en disant si tu veux aller boire un coup, si tu as besoin de soutien et tout. Et voilà, je n'ai pas... Pas de nouvelles pour l'instant ? Non. Bon, on passe à autre chose. Gilles Alma, vous êtes un acteur très engagé. On en parlait tout à l'heure avant le tournage, notamment sur le terrain de l'écologie. On sent que c'est presque pour vous une obsession, puisque c'est aussi l'un des thèmes centraux de votre spectacle dont on va parler dans quelques instants. Est-ce que vous faites partie des citoyens qui redoutent tout simplement la fin du monde ? Alors, la fin du monde, c'est pas la fin du monde. Le monde continuera à tourner, même si on n'est plus là. Non, mais, alors, ce que tu veux dire, la fin de l'humanité. La fin de notre race. Exactement. Ça n'arrivera pas. Ouais. Ça n'arrivera pas. Moi, je pense qu'il va y avoir, par contre, un petit, comment dire, on est en croissance. Ouais. Et la croissance exponentielle, je veux dire, même mathématiquement, il y a un moment où c'est pas possible. Ouais. C'est-à-dire, notre monde est fini. Donc, la croissance infinie n'existe pas. Et vous savez très bien, au Figaro, notamment, que si on est en décroissance, ça pose un gros problème pour notre système. C'est-à-dire, si on est en décroissance, qu'est-ce que vous entendez par là ? On est en récession. Oui. Là, je parle d'économie, là. D'accord. Ah, c'est fou, hein. On est fou. Non, mais si on est en récession, c'est la merde. Ouais. Bon, bah voilà. Est-ce que la croissance sera exponentielle ? Enfin, est-ce que la croissance sera infinie ? Je sais pas. Alors, c'est vrai qu'on sent qu'il y a une prise de conscience dans l'univers de l'écologie, en tout cas une prise de conscience de la société. C'est vrai que l'écologie, elle est présente un peu dans tous les programmes des candidats qui se présentent dans toutes les élections. Néanmoins, les actions concrètes, on les voit, on les entend, mais dans notre vie de tous les jours, on les voit pas tant que ça, finalement. C'est dur. Ouais, pourquoi ? C'est dur. Pourquoi ça n'avance pas ? C'est une prise de conscience. C'est vrai que les gens ont besoin d'avoir le nez dans la merdasse pour se bouger, quoi. Donc, vous avez vu le gouvernement, l'interdiction du plastique à usage unique d'ici à 2040. 2040, c'est pas tout de suite. Parce que c'est toujours le même problème. On veut garder cette croissance, on veut garder notre économie, on veut garder la façon dont on vit, et ça peut se comprendre. Tout le monde veut ça. Tout le monde veut garder sa bagnole, tous les petits trucs qu'il achète, son téléphone, et ainsi de suite. Son confort, son confort, c'est normal. Et les gens qui ne l'ont pas veulent avoir ça. C'est logique. Donc si tu interdis demain le plastique, ça fout, je pense que tu as au moins 0,5 points de PIB qui partent en sucette. Donc là, ça y est, tu pars en sucette. Et tu fous des gens au chômage et ainsi de suite. Donc du jour au lendemain comme ça, après moi, au jour le jour, moi je mange plus de viande, mais je suis pas contre les gens qui mangent de la viande. Voilà. Chez moi, j'ai des panneaux solaires, j'ai une voiture électrique, donc énergie propre. J'ai un composteur, j'ai un récupérateur d'eau, voilà, j'essaye de faire... À votre niveau, vous essayez de sauvegarder la planète. Demain, vous êtes ministre de l'écologie. Admettons, Emmanuel Macron vous appelle, vous faites partie du gouvernement, vous devez sauver la planète. Ouais. Quelle est la mesure que vous prenez là, maintenant, tout de suite ? Déjà, ça passera pas, parce que c'est Macron le patron. vous refuserez, tu vois, c'est ça ? Moi, je veux bien y aller, mais le problème, c'est que c'est comme Nicolas Hulot, quoi. Ouais. Il a démissionné. Oui. Parce qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. C'est toujours le même problème. Si tu veux de la croissance tout le temps, tu ne peux pas prendre des grandes décisions vertes, puisque logiquement, tu es... Voilà. Donc, arrêter le plastique, demain, tu fous des gens au chômage et tu fous des entreprises à la rue. Donc, il y aura des manifestations. Même la flotte, des bouteilles d'eau, c'est quoi ? C'est du plastique, c'est des usines à plastique. Bien sûr. Voilà.
C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de bouteilles en verre, en tout cas dans nos domiciles respectifs. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque l'on parle d'écologie, on ne peut pas s'empêcher de penser à Greta Thunberg, cette militante écologiste suédoise qui tente d'alerter justement sur l'avenir de la planète. Alors c'est vrai qu'elle laisse personne indifférent, hein, Greta Thunberg. Soit on l'aime, soit on la déteste. Il n'y a pas d'entre-deux. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est le rôle d'une adolescente d'alerter sur la planète et d'être en quelque sorte le porte-étendard de l'écologie dans le monde, hein. C'est bien parce que c'est une jeune, donc c'est leur génération qui va prendre cher, hein. Si tu vas dans 50 ans, on est mal barré, les amis, je vous le dis, hein, vraiment. Voilà, en 2050... C'est l'objet d'un documentaire sur W. Oui, voilà, c'est l'objet de mon spectacle, hein, je dis. En 2050, il y aura plus de plastique dans la mer que de poissons. En 2050, 80% des insectes auront disparu en Europe. Et Greta Thunberg, elle est importante pour vous? Bah ouais, parce qu'on en parle, donc on parle d'écologie, ouais. Elle mérite au moins de faire parler d'une cause. Super, je l'invite à la maison, il n'y a pas de problème. Je vais la chercher en voiture électrique. Ah bah ouais, à donc. Bon, à l'apéro, mais attention, sans paquet de chips, sans plastique. Eh bah oui, voilà, c'est important. Maison, bien entendu. Sarah, des questions? Allez, je prends une dernière question de Nicolas qui se demande si vous revoyez Isabelle Vitari, votre femme, dans Nos Chers Voisins. C'est au niveau du cul, il veut dire? Oui, c'est peut-être, ça, bah, évidemment. Peut-être, c'est je ça sais qui pas. Nous intéresse. C'était chaud dans la série, je suis pour ça. Isabelle, on s'est vu il y a 3 jours, on a fait une émission ensemble, Top Départ sur M6, le truc des chevaux, là, c'est très rigolo. Et puis, je vais la voir parce qu'elle a un one-man show. Et puis, on essaye de se croiser, ouais. Un petit rototo, t'as vu? Ah oui, effectivement. Ah, c'est le live. Ah, c'est ça, le live. Oui. On va pas trahir le fait que vous nous avez racketté quelques croissants avant le, avant très le tournage, effectivement. Très Alors, un endroit où il est question d'écologie également, c'est dans votre spectacle. On rappelle le titre 200% naturel. Vous serez à Paris le 16 janvier, le 18 janvier à Annecy. Vous serez également le 18 mars à Lorient. C'est un seul en scène. Vous vous livrez aussi sur votre vie privée. Vous parlez beaucoup de votre famille. Est-ce que vous dites absolument tout? Est-ce que là, vraiment, Gilles Alma se met à nu? Alors je vais pas dire que je suis un peu chiant chez moi, je vais pas dire tout ça. Je dis beaucoup de choses pour un humoriste, ouais. Je balance beaucoup de choses sur ma famille, ma femme, mes enfants, mes deux garçons, Et comment ils le prennent ce spectacle là où vous révélez un petit peu la phase cachée? Tout est validé. Ouais, vous leur avez fait lire le script avant? Parce que c'est de l'humour, ça reste de l'humour, bien entendu. Quelle est la différence avec le spectacle précédent qui s'appelait 100% naturel, pour le coup? Eh ben, j'ai mis l'écologie. Ah, vous avez mis l'écologie dedans? Ouais. J'ai mis l'écologie, j'ai mis ce fil vert qui me tenait vraiment à cœur. J'avais vraiment besoin d'en parler. Et de quelle manière il revient, l'écologie? C'est une sorte de leçon que vous donnez aux spectateurs, ou alors vous abordez non, ça? Non, surtout pas de leçon. Alors, les gens en ont marre. C'est difficile de parler d'écologie aujourd'hui sans passer pour un donneur de leçons. C'est une catastrophe. Et sur mon spectacle, j'ai fait un fil vert sur l'écologie, mais j'ai en fait, on va dire, 20-25 minutes sur l'écologie. Ouais. Parce que tu ne peux pas faire une heure et demie, dans le spectacle humoristique, tu ne peux pas faire une heure et demie sur l'écologie. C'est impossible, c'est très très dur de faire rire. D'ailleurs, les blagues que je fais sur l'écologie, c'est des blagues très populaires. Par exemple, je parle des toilettes sèches. Ouais. Vous connaissez les toilettes sèches, je rappelle le concept magnifique. Ouais. Et ça ne sent pas du tout, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Donc les toilettes sèches, donc un trou, de la sciure, une pelle. Et là, tu te dis, un Portugais qui a la chiasse, il te monte un mur, le mec, tu vois. Voilà, c'est ça les blagues sur l'écologie, c'est du populaire. C'est vrai. Comprends? Attention à ne pas faire ça en télévision, vous risquez de vous attirer les foudres d'une... Des Portugais sont très sympathiques, je les embrasse et j'ai beaucoup travaillé avec eux et voilà, ils ont beaucoup d'humour. D'ailleurs, vous aviez deux dates, hein, les 10 et 11 décembre, que vous avez dû annuler, je crois, deux représentations. Une seule que vous avez dû annuler à cause de la grève qui touche le pays actuellement. Vous les avez donc annulées, ces deux dates, à contre-cœur? Une seule date, ouais, j'ai annulé. Parce que la veille, on commençait à me dire, eux viennent pas, machin. Moi aussi, j'avais invité des professionnels, je peux pas venir. J'ai fait, ouh là là, laisse tomber. Je vais me retrouver, j'ai une salle de 300, je vais me retrouver devant 30 personnes, ça sent le roussi, quoi. Donc j'ai fait, allez, laisse tomber. En plus, j'étais à Bordeaux, avec la grève, donc j'avais une date la veille et tout. J'ai fait, allez, là, terminé. Merci, à la prochaine. D'ailleurs, pour ceux qui nous regardent, pour qu'ils comprennent bien, comment ça se passe quand on annule un spectacle? Est-ce que c'est un manque à gagner pour vous? Est-ce qu'au contraire, c'est zéro, ou est-ce que vous perdez clairement de l'argent? Perdu 2150 euros hors taxe. 2150 euros? Parce que je me produis. Donc, voilà, comme ça. Okay. Comme ça, c'est bien. Et vous louez un théâtre? Comment ça se passe? Oui, c'est ça, ouais, c'est une location. Ouais. Okay. Et la grève, qui en ce moment rythme le pays, vous la soutenez? Mais comment c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aux gens... qui sont parfois en précarité, je vois mes grands-parents qui touchent 800 balles. Ils étaient commerçants, ils étaient poissonniers, ils ont travaillé toute leur vie, ils touchent 800 balles. Bon, après, ils n'ont peut-être pas cotisé ce qu'ils auraient fallu, mais je pense qu'en cotisant, c'est compliqué. Comment dire aux gens qui sont parfois qui n'ont pas assez de sous, quoi, et qui ont bossé toute leur vie Après, pour redresser le pays, on entend ce que dit Macron aussi, c'est-à-dire qu'il faut que les gens travaillent plus parce qu'il y a plus de... Mais c'est comme les gilets jaunes, dire aux gens...
Vous faites chier. Mais quand t'es dans la merde. Les raisons sont légitimes, c'est ce que vous voulez dire. Ouais. Moi, j'aurais pas de retraite. Je le sais, moi, donc je suis en train de me la construire maintenant, ma retraite. Mais, avec un fonds de pension, c'est ça? Non, j'essaye de pas trop dépenser mon argent, déjà, dans un premier temps. Et puis, d'avoir un peu, peut-être avec ma maison, payer, revenir plus petit quand je serai plus vieux, et avec les sous, arriver à me faire ma retraite. Ouais. Mais je peux pas leur dire, les gars, vous faites chier. Ouais. Impossible. Allez, on va passer à notre dernière rubrique. Ça s'appelle le sucré-salé. Vous allez voir, c'est un petit moment de torture que nous, on adore particulièrement au Bustel. Ah. Le sucré-salé. Ah, vous êtes taquin. Allez, on est taquin. Vous allez voir, sucré-salé, en fait, on vous propose deux solutions. Il faut que vous n'en choisissiez qu'une. Et si vous justifiez, forcément, c'est toujours bienvenu. Mmh. Est-ce que vous préférez la scène ou la fiction télé? Alors, la scène, donc le sucré. Le sucré, exactement. C'est votre petit bonbon, la scène. C'est mon petit bonbon parce qu'il y a les gens, tout simplement. Voilà. Ouais. Ouais. Et vous avez ce contact gens, avec le public que vous n'avez pas forcément. Oui, quand tu tournes un téléfilm ou quand tu tournes au cinéma, t'as pas les gens, t'as pas de retour. Alors, t'as ton partenaire. Bon, c'est pas mal, mais... T'as pas... Et puis moi, c'est de l'humour, donc t'as le rire, c'est vraiment, c'est génial. C'est chaleureux. Ouais. L'humour ou le drame? Je reste quand même, j'adore tourner dans le drame, je suis très content, et César Wagner et le téléfilm que vous allez voir demain, c'est on y est. Mmh. Mais j'ai toujours mon petit penchant pour l'humour. TF1 ou France 3? TF1 pour nos chers voisins et France 3 pour la fiction dans laquelle vous allez. Demain soir, France 3 et TF1 bientôt, je sais pas. TF1 bientôt. Vous n'avez pas de préférence pour des chaînes? Quand on est acteur, d'ailleurs, qu'on vous propose un projet et qu'on vous dit c'est sur telle chaîne, est-ce que vous regardez la chaîne ou c'est uniquement le projet et la chaîne? Non, c'est uniquement le projet. D'accord. Uniquement le projet. Les séries ou les téléfilms? Rôle récurrent ou rôle ponctuel? Écoute, je vais faire une réponse très pragmatique à la Figaro. c'est-à-dire, récurrent, ça te permet de voir sur du long terme, ou du moyen terme, on va dire. Ouais. D'assurer ses arrières. Et le téléfilm, c'est du one shot, c'est bien, c'est bouclé, c'est souvent une histoire complète. Donc, plutôt salé. C'est ça, vous pouvez dire aigre doux, allez. Ouais, aigre doux, ouais. Exceptionnellement. Nicolas Hulot ou François de Rugy, deux ministres de l'écologie? Ah, François. Nicolas Hulot. Nicolas Hulot. Ça marche. Merci beaucoup, Gilles Alma. Avec plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous pourrez retrouver donc Gilles Alma demain dans La Malédiction de Provins. C'est sur France 3 que ça se passe. Et puis très prochainement dans César Wagner sur France 2, sans doute à la mi-janvier. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir fait l'intermédiaire entre les internautes et ce plateau. Merci beaucoup, Gilles Alma, de faire le gendarme sur ce plateau. C'est vachement bien. Parce que c'est comme ça que vous serez demain dans La Malédiction de Provins. Et on se retrouve à la rentrée pour le Buzz TV, ce sera le 6 janvier prochain. Notez ça dans votre agenda. Merci beaucoup de nous avoir été autant à nous suivre en 2019 et on espère que vous serez tout aussi nombreux à nous suivre en 2020. On vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'en avoir et on vous dit à bientôt pour un nouveau Buzz TV. Salut.